Xong trình quỳ. Xong trình lúc xây mê thư vi khi dòng phón là một tỏ. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant m'attacher à quelques commentaires sur des déclarations écrites qui ont été utilisées par l'accusation et plus généralement citer des passages qui n'ont pas été cités par l'accusation et qui me semblent intéressants, avec toujours en toile de fond les réserves que nous avons indiqué au début, à savoir qu'une déclaration écrite, ce n'est quand même pas la même chose qu'une audition à l'audience où nous pouvons clairement interroger sur tout et sur les éventuelles contradictions. En l'occurrence, le premier document qui m'intéresse est la déclaration de Rosseuil, document E3-10620. L'accusation a cité les réponses 5, 78, 79, 83 et 84 de cette déclaration. Je voudrais citer, ce sera en anglais à l'attention des interprètes. D'abord, la question et réponse, les questions et réponses 81 et 82. You said that there was a plan to marry 100 per month. Was that successful? Answer, no. Question, why? Answer, because some people agreed to get married as assigned, whereas some who understood the plan or are learned party policy through their friends refused to get married. End of quote. Ce passage intéressant, et si il y avait une possibilité, ce serait peut-être dans le cadre d'un interrogatoire, mettre en parallèle cette dernière réponse du témoin avec la politique du parti relative au mariage figurant dans l'article, dans la règle 6, disant que les intéressés devaient donner leur accord. Dans le même sens, une autre question, c'est la question et réponse 90. Je cite en anglais. Question. You said that order to get married 100 couples a month was from the ministry. Do you know who issued the order? Answer, I do not know where the order came from. I just know that Rick, alias Frank, ordered my chief. And my chief ordered me to prepare vehicles. End of quote. C'est intéressant de noter que Rosseuil ne sait pas d'où vient l'ordre de mariage. C'est intéressant parce que j'ai compris de la position de l'accusation que systématiquement, lorsqu'il y a le mot commerce, quelque part, on veut mettre en filigrane la responsabilité de Khieu Samphan. Quand tu t'exposes, Rosseuil dit qu'il ne sait pas d'où vient l'ordre de ce mariage dans de telles conditions. Et surtout, à la réponse 92 de ce même document, Rosseuil est quand même un peu plus nuancé dans la manière dont il évoque l'accord demandé aux futurs époux. Et voilà ce qu'il dit au milieu de la réponse 92, et je vais à nouveau citer en anglais. Some couple who were reluctant to agree with the wedding came to see each other. I arranged for them to see each other, but whether they agreed or not depended on them. Previously, they had assigned women to sit in a row and the men in the other row, and then they chose each other to be their spouses.
But there were many complaints that also they lived with their parents. They were not to be brought in to be placed on cell like that. Therefore, they changed strategy. In some cases, I had to arrange for them to see each other, asking them why they had a difference of opinion. I mean that when there were different opinions, I would contact the women's unit chairperson to request four women and the men's unit chairperson to request four men to help work, and then they saw each other. When a man was satisfied with that woman, he would ask her if she agreed to accept him. Question. When a woman was proposed to, did she have right to refuse? Answer. Yes, she did. The woman had the right to agree or disagree, but in order to achieve this plan, they always tried to persuade the woman to agree to accept the proposal. When they persuaded them, those couples mostly did not stay with each other for a long time. But in some cases, if that woman strongly rejected it would be ended and there would be no marriage. Fin de citation. C'était donc des passages que j'estimais utiles de citer en plus de ceux évoqués par l'accusation. Un autre commentaire sur un autre document, c'est le document E3-9000, un ouvrage intitulé en anglais The Mystery of Sexual Violence Under the Khmer Rouge Regime. Mystery of Sexual Violence Under the Khmer Rouge Regime. ERN en anglais. 0099-2194. C'est un exemple que l'accusation a cité en disant que on incitait les gens à se marier malgré leur désir profond. Mais je note quand même que l'exemple tel qu'il résulte de ce passage serait deux personnes ayant des biographies complètement différentes, puisque la femme, si j'ai bien compris cet exemple, ressortirait d'une famille aristocratique de l'ancien régime, alors que l'homme serait lui un paysan. Là encore, même réflexion que pour ce que j'ai indiqué tout à l'heure face à l'affirmation dans l'ouvrage de Rodom Sihanouk. Cet exemple me paraît aller à l'encontre des autres exemples que nous avons pu entendre ici et de la notion selon laquelle il faudrait que les personnes qui se marient seraient de la même biographie. Donc, ce serait un exemple qui démontrerait que s'il y avait eu une politique du PCK, elle n'était en tout cas en tout état de cause pas appliquée correctement sur l'ensemble du territoire. Un autre passage que je voudrais lire en passant, c'est donc le document l'audition, le PV d'audition de Madame Tuxitan, document E3-378, ERN en français 00-34-2203, ERN en anglais 00-34-55-41, ERN en Khmer 00-34-95-38. C'est juste débuter la réponse telle qu'elle a été omise par l'accusation lorsqu'il a cité ce passage évoquant la disparition du mari de Madame Touk. La réponse à la question « Comment avez-vous constaté la disparition de votre mari ?» Elle indique « En janvier 78, j'ai donné naissance à mon fils. Je précise que dans le régime Khmer Rouge, les femmes qui venaient d'accoucher avaient le droit à 2 mois de repos dans une maison. Pendant mon séjour dans cette maison de repos, mon époux est venu à 3 reprises me rendre visite et voir, voir son fils. Puis pendant 2 semaines, je ne l'ai plus vu. » Fin de citation. Ce tout petit extrait qui avait été omis
simplement pour dire que lorsqu'on a parlé des conditions de vie de la population, on a parlé du fait que sur certains sites de travail, des femmes qui venaient d'accoucher avaient été forcées à travailler, etc. Là, nous avons une déclaration qui, a priori, d'une personne qui n'a pas spécialement de volonté de donner des éléments à des charges, mais qui donne des éléments, disons qu'il y avait du repos de 2 mois après. Un autre document sur lequel je voudrais revenir, c'est le document E3-9575. Je crois que je n'ai pas le droit de dire le nom de cette personne, mais les réponses citées par l'accusation dans ce document, dans ce PV d'audition, sont les réponses 65, 66, 67, 73 et 76, et notamment une mention disant que ce témoin se serait marié à l'âge de 15 ans. C'est ce qu'elle dit dans son PV d'audition. Or, la Chambre constatera à la lecture de ce document que, à l'ERN, en français, 0-1-1-4-0-3-6, en anglais, 0-1-0-2-5-2-8-7, et en Khmer, 0-0-9-9-6-4-9-0, que la date de naissance de ce témoin serait le 12 mars 1958, qu'elle-même a indiqué à la réponse numéro 6 de cette déclaration que lorsque les Khmers rouges sont arrivés dans son village, elle avait 15 ans a priori, c'est après le 17 avril 75, donc 15 ans en 75, qu'elle indique qu'elle aurait été mariée en 77. Donc, a priori, ça ne correspondrait pas. Si on rajoute, si on prend sa date de naissance, ça ne correspondrait pas à la date de 15 ans. Et qu'en tout état de cause, lorsqu'on fait le calcul avec sa date de naissance de 58, on a une date de mariage. Si ce mariage a eu lieu en 77, on a un âge qui serait de 19 ans. En tout état de cause, je rappelle que quand même, on peut dire beaucoup de choses sur la politique du PCK, mais en tout cas en matière de mariage, on ne peut pas dire qu'ils encourageaient les mariages précoces. Et ça, je pense que nous avons entendu jusqu'à présent suffisamment d'éléments, que ce soit de la part de témoins ou de parties civiles, disant qu'il y avait un minimum d'âge pour les femmes aux alentours de 20 ans. Donc, en dehors de la contradiction par rapport à la date de naissance, ça ne correspond pas non plus à de la preuve que nous avons pu entendre dans le cadre de cette audience. Un autre point que je voudrais souligner sur un autre document, E3-9808, c'est un document pour lequel l'accusation a cité les réponses 73, 74, 77, 78 et 79. Et je voudrais revenir sur une réponse qui a été sautée par l'accusation. Quand on demande à cette personne qui a indiqué auparavant que c'est la hiérarchie qui aurait ordonné des mariages forcés, la question qui lui est posée est la question 76 en anglais et la suivante. En français, pardon, enfin dans toutes les langues d'ailleurs. Et la suivante. À qui faites-vous allusion quand vous dites que l'ordre venait de la hiérarchie ? Réponse 76. Je ne sais pas au fond. Il est possible que la hiérarchie ait ordonné à Ta'ap, qui m'a passé l'ordre ensuite. Le garçon a dû dire qu'il était amoureux de telle fille,
Tahap est venu m'ordonner de convoquer le garçon et la fille au mariage, fin de citation. Donc, c'est quand même intéressant de noter que, en ce qui concerne l'ordre, ce cadre qui a organisé des mariages dit qu'il ne sait pas au fond d'où cet ordre viendrait. Et surtout, c'est important de noter que c'est lui qui indique qu'il a procédé à la convocation des personnes dont le garçon était amoureux pour procéder au mariage. Et pour terminer, deux petites observations sur des documents présentés par le co-avocat des parties civiles. Tout d'abord, le document E3-96662 à la réponse 31 qui n'a pas été citée et qui est importante. Question posée. Avez-vous entendu dire s'ils arrêtaient les gens qui refusaient de se marier? Réponse 31. Je n'ai pas entendu parler d'arrestation de gens qui refusaient de se marier. Cela étant, des collègues d'unité itinérante et des villages, des villageois ont parlé des mauvaises conséquences d'un refus de mariage. Là encore, lorsqu'on a des déclarations de personnes qu'on ne peut pas interroger, on constate qu'il n'y a pas de témoignage direct sur des éventuelles conséquences négatives. En tout cas, elle dit qu'elle n'a pas, cette personne dit qu'elle n'a pas entendu parler d'arrestation et que le reste saurait dû lui dire. Ça, c'est important de le noter, parce que ça fait partie précisément des écueils quand on utilise des déclarations écrites. Dernier document sur lequel on peut faire une observation, le document 3-9700 et notamment les réponses 92 et 93 qui ont été citées par ma consoeur des parties civiles, simplement pour rappeler, puisque là, dans cette réponse est évoqué un viol qui n'est pas dans le cadre du mariage. Alors j'ai bien entendu la position des co-avocats des parties civiles disant que dans la mesure où ils ont fait appel de votre décision E306-7-3, vous avez confirmé que les viols en dehors du mariage ne sont pas concernés par la présente procédure. J'ai bien compris qu'ils avaient l'intention de former appel de votre décision, mais je renvoie simplement à la règle 104 du règlement intérieur qui précise que dans le cadre d'un appel immédiat qui sera examiné par la Cour suprême et nous verrons le sort qui lui sera réservé, mais qu'en tout état de cause, dans le cadre d'un appel immédiat, il n'y a pas d'effet suspensif dans ces conditions de vouloir continuer à intégrer des éléments qui sont à ce procès ne correspond pas au règlement intérieur de la Chambre et je vous demande évidemment d'en tenir compte dans le cadre de ces extraits-là et éventuellement de la suite. Enfin, pour terminer, je vais simplement indiquer que la disparité des traitements et de l'application du règlement des mariages en fonction des lieux des cadres en charge d'appliquer cette réglementation fait qu'il y a de nombreuses expériences diverses et que c'est un élément qui sera extrêmement important dans le cadre de la discussion et des plaidoiries finales à venir. J'en ai terminé, Monsieur le Président, de la présentation de ces éléments en indiquant simplement qu'il est évident que le but n'est pas de plaider définitivement, mais de faire des commentaires qui me venaient à la suite des présentations par l'accusation et les co-avocats des parties civiles. សាវនាការឬការបង្ហាញឯកសារកលិះរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការចេញបទបញ្ជានៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
ជាមតតទៀតអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់សារណារបស់ភាគីជុំវិញសំណើរបស់សហប្រាជ្ញាសូមឲ្យកោះហៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវេនីមិនថៃមួយរូបនៅក្នុងអង្គហេតុស្ដីពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតព្រមទាំងសូមឲ្យទទួលយកឯកសារមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវេនីរូបនេះដើម្បីធ្វើជាឯកសារភស្តុតាងអី336ភាគីត្រូវបានជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីមែលពីមន្ត្រីច្បាប់របស់អង្គជំរះសាធារណរងចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ
Good morning, Mr. President, judges, parties, and everyone watching. We have no submissions on this point. Une fois n'est pas coutume, Monsieur le Président, nous n'avons évidemment pas la même position que les autres partis sur ce sujet. Et je vais expliquer brièvement pourquoi. Nous avons une demande de 87.4 pour faire comparaître une partie civile qui évoquerait le rôle de Khmer en nous disant que si elle arrive, cette demande arrive tardivement, que... Ce serait important parce que cette partie évoquerait notamment le traitement des Vietnamiens, le traitement des ex-RK et le fait que son pan a pris la parole à un moment donné lors des déplacements trois de population. Première observation, la requête est plus que tardive. Pourquoi le document était disponible depuis au moins 2015. Cette partie civile était connue de l'accusation puisque elle figure en note de bas de page de l'ordonnance de clôture que aucune des parties n'avait préalablement, au moment de l'établissement des listes des témoins, mis cette partie civile dans la liste des témoins. Et c'est à quelques semaines, un moment où nous essayons d'arriver, la preuve dans ce procès que on nous sort cette partie civile à nouveau en disant qu'il est important qu'elle comparaisse. Si c'était aussi important qu'elle comparaisse, alors pourquoi, contrairement aux indications de la Chambre dans sa décision E3-363-3 et ensuite rappelé en juin 2016 dans E319-47-3, pourquoi est-ce que l'accusation qui a pourtant
fourni la déclaration de cette partie civile, nous a communiqué cette déclaration de partie civile en disant que c'était une déclaration à décharge. Pourquoi elle n'a pas fait cette demande de 87.4 au moment où elle procédait à la communication? On nous dit de l'autre côté de la barre. Oui, mais la traduction de ce document n'a été faite que récemment, enfin, c'était quand même il y a 7 mois. Et surtout, l'autorisation de communiquer ce document a été faite il y a 19 mois, le 25 août 2015. Donc là, j'aimerais bien comprendre quel est le caractère nouveau de cette déclaration, alors que ça fait plus de 19 mois que l'accusation en a connaissance. Qu'il y ait eu des traductions postérieures n'enlève pas le problème de la question du caractère tardif de la demande. Puisque si l'accusation nous a communiqué, cette déclaration il y a quelque temps, uniquement en Khmer, je rappelle que les requêtes de communication viennent du coprocureur international et que je suppute quand même qu'avant de communiquer un document, il en prend connaissance. Donc, de dire qu'il a eu connaissance de ce document que tardivement ne correspond pas à la réalité des faits. De dire que cette partie civile sera en lien avec le traitement des Vietnamiens ne correspond pas à la réalité. En tout cas, ce que j'ai lu rapidement des déclarations, il n'y a rien sur le traitement des Vietnamiens. Je précise que cette partie civile, dans le cadre de l'ordre de culture, est citée sur les déplacements 3 de population qui ne sont pas partie de la saisine dans le procès 02/2. Enfin, la question qui se pose de façon plus générale, c'est le moment de cette requête et l'impact. La Chambre aura compris que la Défense est ces derniers temps particulièrement fatiguée de la manière dont on introduit systématiquement, de façon tardive, alors que le procès touche à sa fin, de nouvelles déclarations. Cela a ajouté avec, et je comprends les difficultés qu'il peut y avoir à aligner des témoins correctement avec les contingences que connaît Wissou. Mais malgré tout, il faut savoir que ces nouveaux témoins, appelés tardivement, dans le cadre de l'organisation du travail de la défense, un impact particulièrement négatif pour l'exercice d'une défense pleine et entière. Dans ces conditions, je demande simplement à la Chambre de rejeter la demande de l'accusation en constatant, compte tenu de la chronologie des faits et de la chronologie de la communication de ces documents, c'est une demande particulièrement tardive. Discours supposé de M. Sampan, nous avons un dossier suffisamment de discours pour que la Chambre puisse se déterminer ou pas sur les questions sur les déclarations publiques que M. Sampan a maîtrisées. Mais en toute cette cause, je suis obligé de souligner quand même un certain malaise de la part de la Défense. Quand on constate que cette partie civile a un avocat depuis 2008 et que c'est en septembre 2016 que tout d'un coup, nous donne des éléments sur des déclarations de M. Sampan. Donc là encore, caractère tardif et incidence et impact particulièrement négatif en termes de préparation de l'équipe de M. Sampan. Oui, Monsieur le Président, juste une clarification.
auprès de la défense du Kyusampan. La demande des coupe-cœurs en fait contient deux branches. Une demande de convocation de cette personne pour être entendue à l'audience. Et l'autre concerne une demande afin de déclarer voir recevable un document qui est un document complémentaire à sa demande de pension participative. Merci, Monsieur le Président. J'essaie de remettre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, je crois que la défense méprend sur cette requête, puisqu'en fait, on a fait cette requête et notamment celle de faire comparaître cette partie civile de TCCP 1063 au fin de déposé sur le bureau de Kyusampan. Je ne crois pas avoir mis dans notre requête que se basait sur le traitement des Vietnamiens, le traitement des anciens soldats, l'armée de London. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si on demande la comparaison de cette personne, c'est parce que ça traite des actes et du comportement d'un accusé. Si on ne le fait pas comparaître, on ne pourra pas utiliser, évidemment, ce type de déclaration, puisque cela fait partie du droit de la défense, de pouvoir interroger directement les personnes touche aux actes de leur client. Voilà l'intérêt en quelque sorte de faire venir cette personne devant vous. Je crois que la requête est assez claire sur les déclarations qui ont été faites par cette partie civile dans un formulaire d'information supplémentaire de la Chambre a donné, si je ne me trompe pas, le numéro E319-57.2.7 à ce formulaire. Il y a question d'un discours de Kyusampan adressé à des gens déplacés de la zone Est vers la zone Ouest. Quand ils arrivent à Phnom Penh, il y a ce discours et notamment, il est dit ceci dans le formulaire, je cite donc ce qui est attribué à Kyusampan, je cite en anglais. Please follow the Democratic Kampuchea policy. Please be loyal to the party forever. If anyone betrays the party, that person will be killed. As the saying goes, to keep you is of no benefit, to keep you is of no loss. End of quote. Alors cela est particulièrement important. Je suis non seulement au rôle de Kyusampan quand il s'adresse à des gens qui transitent par Kyusampan, des personnes qui ne respectent pas les personnes qui ne respectent pas les personnes au rôle des accusés. Et je ne vois pas très bien quel est le préjudice que subirait la défense. Est-ce que ce segment n'a pas encore commencé? Même si nous avons maintenant une liste provisoire de témoins, si je ne me trompe pas, qui a été communiquée par la Chambre, cette liste peut encore évoluer. Il n'est pas question d'entendre ces personnes immédiatement. Il y a un certain délai qui va se passer entre l'audience et l'audition de
Je crois que la défense aura bien le temps de pouvoir se préparer. Notre requête serait tardive. Concernant les déclarations des partis civils, nous sommes attelés que plus tard, pour essayer de rattraper en quelque sorte le retard, étant donné que les critères pour qu'il y a une traduction en anglais qui nous a permis de faire cette révision que en janvier 2016. Donc à ce moment-là, on était non seulement en train de revoir à l'aune des critères définis par la Chambre, l'ensemble des procès-verbaux de l'audition pendant d'autres dossiers, sachant qu'il y avait urgence à les communiquer s'ils étaient à la fois à des charges ou s'ils concernaient justement à venir du procès. Donc effectivement, nous nous sommes rendus compte assez tardivement du fait que ce document particulier comportait des éléments concernant Kyusampan. Dès que nous en sommes rendus compte, nous avons demandé l'autorisation au juge d'instruction de pouvoir communiquer ce document à la Chambre et à toutes les parties. Nous avons reçu de la part des juges d'instruction une décision à ce propos qui date du 25 août 2016 et qui porte la référence dans un autre dossier D193-9-4. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un La découverte en quelque sorte des déclarations de la partie civile. Aussi pour la défense comme pour toute autre partie de confronter personnes avec les questions. Nous avons dit que nous avons été accusés de tuer des accusations. បាទសូមគោរពលោកប្រធានបាញ់មិញខ្ញុំផ្លេចបានបញ្ជាក់បន្ថែមដល់ម្ដងរដ្ឋវេនីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកអាចមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មបានដូច្នេះសូមលោកប្រធានជ្រាបសូមអរគុណលោកមេធាវីជាបន្តទៀតអង្គជំរះស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីឬបញ្ហានៃការរៀបចំកាលវិភាកសវនាការ May I just ask a question, please? Why is the civil party not available? I think there is a problem.
ដើម្បីដឹងរដ្ឋវិន័យនេះអាចមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបាន អរគុណ Thank you. There was indeed a translation issue. គឺថាដោយសារបញ្ហាបកប្រែមែន ជាបន្តទៀតអង្គជំនះ ស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់វិគីឬបញ្ហានៃការរៀបចំកាលវិភាគសាវនាការ មុនពេលជួបសម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះ សូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាឡើងសង្ខេបអំពីសំណើសុំរបស់ខ្លួនមុនពិធីផ្សេងទៀត សូមអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវី Good morning again, Mr. President. So we Sure, sorry about that. So we just wanted to say that even though the legal lawyers later withdrew that suggestion, these were the witnesses that we had requested and we wanted to advise the chamber that we are in a position to examine those witnesses in the week prior to Chum Ben should the chamber decide to schedule. I also wanted to take the opportunity to note, and this is not in my email, that we are currently preparing a short 5-9 who came to the chamber to the location of the witnesses. We know that there were four civil parties in our records, 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 four civil parties
Of the nature of the armed conflict segment. I also just wanted to take the opportunity to say that should that expert not come to testify, and should the chamber advise us of such, we will then be considering filing a written motion requesting two other experts that we had mentioned in those last submissions earlier. There was Steve Hedder and Stephen Morris, and that is the order of preference in which we would like to call those two experts. And obviously, we will also always be keen to hear one
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីមេធាវីសូមអញ្ជើញលោកសហប្រិយញ្ញា Merci, Monsieur le Président. Concernant le premier point, il me semble qu'il y avait également une requête qui avait été faite par la défense de Saint-Pan, en particulier le maître Antagissé. Je ne sais pas si je veux, ce serait plus logique de l'entendre d'abord, parce qu'il y a une position différente de celle de Michel, qui voudrait, si je me réfère à son email, discuter de ce sujet et de dire que l'impossible, nul n'est tenu, et donc suggère que... On ne pourrait pas entendre ces témoins qui avaient été proposés par Nunchia avant que Chumbet. Je pense qu'elle pourra nous éclairer là-dessus, mais en tout cas, ce que nous avons à dire, c'est qu'il s'agit de témoins relatifs au quatrième segment, c'est-à-dire les purges internes ou les requêtes de Nunchia datent dans un certain temps. Et donc, il n'y a pas de raison que la partie ne soit pas prête à interroger ces témoins avant Chumbet. Si, effectivement, il se confirme que des témoins et parties civiles relatifs au mariage forcé ne peuvent pas venir immédiatement, ne peuvent venir qu'après Chumbet. Rapportons également à la sagesse de la Chambre. Et si effectivement il y a d'autres requêtes qui sont faites par la suite, au cas où cet expert ne venait pas, nous recevrons le droit de répondre à ce moment-là. Mais a priori, nous nous opposons pas à la venue de l'expert ou de témoin en compensation de l'absence de cet expert de CE83. គឺទេសេអឺទេសេអឺបាទសបៃរៀងពិសាជុតិទេដល់នុតិធិមិសិលប្រេសិដ្ឋសូមជើងលោកមេធាវីនាំមុខដាក់មិនដឹងរ៉ាប់ប៉ាវិនីបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកសេចក្តីកម្មសាជាថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកោះហៅដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋវិនីក៏ដូចជាសាក់សីមកបន្ថែមសម្រាប់ពេលវេលាខាងមុខនេះ ខាងមេធាវីនៅមុខមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់អង្គជំនួយជំនះនៅក្នុងការកោះហៅដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋវិនីនិងសាក់សីក៏ប៉ុន្តែគាត់សូមបញ្ជាក់ថាដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋវិនីរបស់យើងចំនួន 2 រូប TCCP 264 និង T CCP 251 ដែលគាត់មានបញ្ហា
សុខភាពឬក៏ថាមានការរវល់នៅក្នុងគ្រួសារដោយសារម្ដាយរបស់គាត់មានជំងឺនោះបញ្ហានេះយើងបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺនៅរងចាំលទ្ធផលរបស់វីស៊ូនៅក្នុងការផ្ដល់មកវិញថាតើលទ្ធផលនោះនឹងជាយ៉ាងណាហើយមេតាវីនៅមុខទុកលទ្ធភាពជូនអង្គជំនុំជម្រះនៅក្នុងការ Can I just ask a question? I seem to remember there's also a request from you to push the harm suffering hearing after the holidays. Can you give a good reason for that? បាទសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមចំពោះបញ្ហាភាសនកម្មសវនកម្មនៅលើភាសនកម្មនេះ ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយអ៊ីមែលរបស់លោកស្រីមេធាវីនៅមុខមារីគីរ៉ូបានជម្រាបជូនទៅលោកស្រីចៅក្រមរួចហើយគឺថាដោយសារយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំជាពិសេសថវិកានៅក្នុងការទៅធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនដែលអាចមានលទ្ធភាពដែលយើងពិចារណាថាគាត់នឹងមានលទ្ធភាព មានព័ត៌មានល្អដើម្បីមកផ្ដល់សេចក្តីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអព្យាសនកម្មនេះដែរទេយើងមានបញ្ហានៅពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះហើយនឹងបានលទ្ធផលនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ក្រោយហើយសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ក្រោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះយើងឬថ្ងៃពុធយ៉ាងយូរយើងនឹងមាន បញ្ជីឈ្មោះដំបណ្ដងរដ្ឋវិញនេះសម្រាប់ជូនលោកលោកស្រីនៅក្នុងការកោះហៅដើម្បីមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះសនកម្មហើយគឺនៅថ្ងៃអង្គារឬក៏ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានលទ្ធផលបាទសូមអរគុណហើយចំពោះពេលវេលានៅក្នុងការកោះហៅពួកគាត់គឺបន្ទាប់ពីបានទទួលលទ្ធផលហើយគឺទុកជូន អង្គជំនុំជម្រះនៅក្នុងការសម្រេចពីពេលវេលាសំស្របនៅក្នុងការកោះហៅគាត់មកផ្ដល់សេចក្តីកម្មអរគុណលោកមេធាវីដែលបានរត់ប៉ះមនីសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារក្តីលោកជាសំផន Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, une correction par rapport à mon email. Lorsque j'ai vu la demande de report de l'audience, Lorsqu'on a pensé, en novembre, décembre, tout début septembre, que la Chambre envisage de faire venir certains de ses témoins, je peux vous dire que dans l'organisation de l'équipe, on ne va pas anticiper alors que nous avons des éléments restreints sur des témoins dont on n'est pas sûr que la Chambre va les faire comparaître. Et là, je renvoie à nos différentes demandes préalablement, qui est de dire, même si nous comprenons que
les souhaits initiaux de la Chambre peuvent à la suite évoluer parce qu'il y a les contingences de Wissous, mais de savoir, d'avoir une idée précise du reste des témoins que la Chambre souhaiterait voir comparaître, nous permettrait, nous, de nous organiser et de savoir qu'il y a plus de chances, en tout cas, d'avoir tel témoin que tel autre. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai réagi par email, et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je demande à la Chambre, même si, encore une fois, nous comprenons bien les difficultés qu'il peut y avoir à faire venir les témoins qui sont envisagés, mais avoir une vision jusqu'à la fin du procès des témoins et parties civiles que la Chambre souhaiterait pouvoir faire comparaître nous permettrait de travailler et de nous préparer de meilleure façon. J'entends toujours du côté de l'accusation qu'il y a des choses, on a le temps, il y a peut-être plus de temps, etc. Je rappelle que les contingences de la défense et de l'accusation ne sont pas les mêmes et que lorsque nous sommes à l'audience, on ne peut pas faire, on peut pas prendre ce temps pour les requêtes, on ne peut pas faire, prendre ce temps pour les réponses, on ne peut pas prendre ce temps pour préparer des témoins dont on n'est pas sûr qu'ils vont venir. Voilà les observations que je tenais ក្នុងការត្រៀមសវនកម្មឯជាដើមលក្ខណៈលក្ខអញ្ចឹងនេះជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំក្នុងដំណាក់កាលនេះ យើងជួនដំណឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការពិសវនកម្មក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះ ដោយសារមានបញ្ហាមួយទៀតអង្គជំនះសូមបន្តដោយអង្គជំនះបានជួលដំណឹងទៅពីគីកាលពីព្រឹកមិញថាអង្គជំនះកំពុងពិចារណាក្នុងការកោះហៅដើមដឹងរដ្ឋបវេនីថ្មីបន្ថែមម្នាក់ទៀតដែលមានកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយ E3/28 ការកោះហៅដើមដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះដើមដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះមានរហស្សនាមថា Merci, Monsieur le Président. Bien, nous nous félicitons du fait que cette partie civile soit invitée à déposer devant la Chambre. Je crois que les choses ont été assez claires, mardi, parce que j'ai lu de très grands pans de son procès-verbal d'audition de 3/28-2-0. Et je soulignerai à plusieurs titres l'intérêt de l'année. D'abord parce qu'il a expliqué avoir été marié de force à un homme handicapé qu'il n'aimait pas. Deuxièmement, elle dit que le procès de 3/28-2-0. Elle dit que on leur a expliqué que les handicapés s'étaient sacrifiés sur le champ de bataille, qu'ils devaient les récompenser en leur donnant une femme. Si elle avait eu le choix, ce ne serait pas marié. Qu'on passait à l'exécution les conjoints qui n'avaient pas de rapport sexuel, donc qui ne concernaient pas le mariage. Elle établit également le lien entre l'augmentation de la population et le mariage. À la réponse 31, puisque
un des dirigeants sur place avait annoncé dans la réunion que l'Ankara avait besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Il devait marier des jeunes gens, des filles, des enfants. Et enfin, il parle aussi du fait que certains garçons étaient amoureux et demandaient à certaines filles d'être unies par un lien de mariage, mais le chef d'unité refusait parfois de les marier, et cela protestait et ensuite disparaissait. Donc autant de raisons qui me pousse à dire que le témoignage, ou plutôt la déposition de cette partie civile est particulièrement pertinent et tiendra au cœur de ce segment sur la réglementation du mariage. Je crois que c'est utile qu'on puisse confronter cette partie civile aux questions des différentes parties. Je vous remercie. 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 សូមអញ្ជើញលោកមេធាវីនាំមកដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះបាទសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រុមនិភាគីសាធារណជនសាជាថ្មីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីក៏មិនក៏ជាដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះនៅក្នុងករណីសូនពីរនេះដែរហើយព័ត៌មានរបស់លោកស្រី ដោយការគូបញ្ជាក់របស់តំណាងសហប្រជាជាតិគឺមានភាពពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅនឹងគោលនយោបាយនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំដែលលោកស្រីបានទទួលព័ត៌មាននេះឬក៏ទទួលភស្តុតាងនេះនៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានចាប់ឲ្យរៀបការហើយលោកស្រីបាននិយាយថា គីសូបានប្រកាសនៅក្នុងអង្គប្រជុំទូទៅថាអង្គការត្រូវកម្លាំងបន្ថែមត្រូវការកម្លាំងបន្ថែមដូច្នេះគេត្រូវការឲ្យយុវជនយុវនារីដើម្បីបង្កើតកូនបន្ថែមទៅលើកម្លាំងកសាងបដិវត្តន៍ហើយលើសពីនេះទៅទៀតលោកស្រីដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះមានព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយគឺលោកស្រីបាននិយាយអំពីការឈឺចាប់ពីអង្គភាពប្រិយផ្សាយដែលគាត់ទទួលរងដោយសារប្តីរបស់គាត់ធ្វើបាបនៅក្នុងពេលដែលរួមភេទដែលពេលនោះលោកស្រីគាត់មិនព្រមទេក៏ប៉ុន្តែប្តីបានវាយធ្វើបាបហើយនឹងបង្ខំរួមភេទទាំងម្ដងហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំគិតថាមានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបង្ខំនេះ Hello again, Mr. President. In terms of relevance, we have no particular observations. It's just more of a question of timing. So from our point of view, it's a little different to the witnesses for the fourth segment, for whom we're very familiar. This is someone that's new to us, it's a background we don't know. So we would need a little bit of time to prepare that. The earliest at this point that we could say we could be ready, barring any emergencies happening in between, would be perhaps the last day prior to the Chumben break. Otherwise, it perhaps may make more sense for this person to...